Hey, salut très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment voir un message supprimé de WhatsApp. Donc, je veux dire, quelqu'un vous envoie par exemple un message sur WhatsApp et ensuite supprime le message et vous n'arrivez pas à voir ce message. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez voir ce message-là malgré que ça a été supprimé. Donc, pour cela, vous allez télécharger une application qui s'appelle NotiSave. Donc, vous allez dans Play Store. Puis, vous tapez dans la barre de recherche. NotiSave. Ensuite, vous installez. Ouvrir. Vous faites. Cliquez là. Accepter les conditions de l'application. Ensuite, vous faites paramètres. Puis, suivant. Ensuite, vous allez voir en bas, NotiSave. Vous vous assurez que ça a été coché. Vous cochez là. Puis, faites autoriser. Ensuite, vous pouvez quitter. Vous faites arrière. Puis, autoriser. Ensuite, suivant. Et vous allez voir que tout ça, ce sont les applications qui ont été cochées pour que ça fonctionne avec l'application NotiSave. Donc, vous vous assurez que WhatsApp ici a été aussi coché parce que le plus important pour nous, c'est WhatsApp. Donc, vous cochez WhatsApp. Si vous voulez, vous pouvez décocher les autres applications. Parce que c'est WhatsApp qui nous intéresse ici. Donc, WhatsApp a été coché. Puis vous faites arrière. Là, c'est bon. Ensuite, vous sortez. Maintenant, nous allons tester l'application. Je vais envoyer un message et ensuite supprimer le message. Salut. Disons, je sors totalement. Vous voyez, j'ai envoyé salut. Maintenant, nous allons ouvrir. Vous voyez, salut est venu. Ensuite, je supprime le message. Vous voyez, le message a été supprimé. Donc, comme vous n'avez pas vu le message et que vous voulez voir ça, vous partez dans NotiSave. Voici NotiSave. Vous ouvrez l'application, vous allez voir là, salut. Donc, malgré que le message ait été supprimé sur WhatsApp, vous avez ça dans NotiSave. Voilà, ça est là.
Donc, c'est tout pour cette vidéo. Portez-vous très bien. Bye bye.